Le délitement, le déclin, la décadence, ces mots sont utilisés par certains pour sonner le tocsin, pour mettre en garde contre l'aggravation d'une situation déjà catastrophique du pays. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce diagnostic. Est-ce pour rien, cependant, si une lettre de généraux en retraite, dont le constat est approuvé par 73% des Français selon l'IFOP, déclare en substance le délitement de notre patrie? Est-ce pour rien si, selon toujours une étude IFOP, 62% des Français estiment qu'on ne se sent en sécurité nulle part, les deux tiers estiment qu'on ne se sent plus chez soi comme avant, et 75% estiment que la France est en déclin. Ce déclin, certains l'ont théorisé et leurs livres se sont par ailleurs bien vendus. Décadence de Michel Onfray, L'identité malheureuse d'Alain Finkielkraut, Le suicide français d'Éric Zemmour, Les cloches sonneront-elles encore demain de Philippe de Villiers, et dernièrement Patrick Buisson qui vient de sortir La fin d'un monde avec comme sous-titre Oui, c'était mieux avant. Le monde prodigieux que nous avaient alors promis les optimistes libéraux comme Jacques Attali n'est pas arrivé, bien au contraire, il semble s'être dégradé. Dans le domaine économique, par exemple, la France est la septième puissance mondiale après avoir été dans le top 5 pendant tout le XXe siècle. En 1962, la France était troisième du classement des pays de l'OCDE avec les croissances les plus fortes. Depuis les années 70, on constate une aggravation énorme de la dette publique française. Dans le domaine de l'éducation, le quotient intellectuel moyen en France a perdu 4 points entre 2000 et 2010. Nous sommes 26e au classement PISA sur 70 pays dans les mathématiques. Malgré la gratuité de l'école, le système français est champion des inégalités. La corrélation entre performance scolaire et milieu d'origine sociale, pardon, étant la plus nette d'Europe. Au classement TIMSS de 2015 des CM1 en maths, la France est dernière de l'Union européenne. Un fils de cadre aujourd'hui est plus mauvais en calcul mental qu'un fils d'ouvrier en 1987. Dans le domaine de la démographie, la France a un taux de natalité de 1,8 enfants par femme. C'est insuffisant pour reproduire sa propre population, donc elle fait appel à une immigration massive et plus féconde, ce qui n'est pas sans conséquences. D'un autre côté, d'éternels optimistes nous rappellent qu'un ouvrier aujourd'hui jouit d'un plus grand confort que Louis XIV, que la pauvreté et la faim dans le monde n'ont jamais concerné aussi peu de gens, que l'espérance de vie n'a jamais été aussi longue, que la vie en elle-même n'a jamais été aussi peu pénible, qu'en 1921% des humains savaient lire contre 86% aujourd'hui, qu'en 1990 il y avait 76 démocraties électorales contre 125 aujourd'hui, qu'en 1950 plus d'un quart des enfants de 10 à 14 ans travaillaient contre 10% aujourd'hui, que les forêts d'Europe s'étendent, que l'air de Londres est aussi propre qu'au début de la révolution industrielle, de même pour Paris. Dès lors, quelle thèse croire, déclin ou amélioration, pessimisme ou optimisme, mais surtout, depuis quel point de vue? Pour répondre à ces questions, j'ai invité pour la troisième fois Stanislas Rigaud, fondateur de L'étudiant libre. Bah, merci beaucoup de m'accueillir pour une troisième fois. Jamais 203, comme on dit. Et ce sera pas la dernière non plus. Et Valran, créateur d'une chaîne qui se nomme donc Le Crayon. Bienvenue donc à l'Institut des Libertés. Salut Léo, salut Stan. Première question, à caractère très général, avant d'affiner un petit peu derrière dans différents critères, pensez-vous que le pays est sur une dynamique ascendante ou descendante? On commence avec Valran. Moi, je pense que c'est trop globalisé que de parler d'une dynamique ou d'une autre, parce qu'il y a des domaines tellement différents que ça regroupe, qu'on parle beaucoup de mot-valise, et que je trouve que dire qu'il y a une pente ascendante ou descendante, c'est un peu du mot-valise, et que c'est un peu trop facile, et que ça catégorise beaucoup trop de choses. Moi, je pense que je différencierais, en fait, la manière dont on vit et les perspectives qu'on nous amène. La manière dont on vit, c'est, on va dire, le confort dont tu as parlé, qui est meilleur aujourd'hui qu'à l'époque, et son corollaire, c'est-à-dire le fait que le confort nous mène peut-être à moins d'efforts, et donc peut-être moins d'émancipation. Et sur les perspectives, et des perspectives catastrophique sur le climat, et ça, on peut le contester, il y a quand même des graves problèmes qui nous guettent, peu importe si on est dans le scénario positif des choses horribles ou le scénario horrible des choses horribles, mais il y a quand même une menace climatique, et en même temps des perspectives technologiques et digitales hyper développées et qui peuvent aller en exponentiel et résoudre certains de ces problèmes, que ça soit climatique, mais aussi d'autres ordres. Et donc du coup, je différencierais en fait plusieurs aspects dans le pente ascendante et descendante. Je pense qu'il y a des aspects dans lesquels la France et par extension le monde ont vraiment une pente ascendante. Je pense aux nouvelles technologies, je pense à l'accessibilité au monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux communiquer avec un Américain sans le connaître, en te connectant par les réseaux sociaux.
Nous, c'est comme ça qu'on s'est connus, en vrai. Tout à fait. Et qu'à l'époque, avec une lettre ou un téléphone fixe, ça aurait quand même été vachement moins pratique. À l'inverse, cette suraccessibilité qui fait que du coup, en fait, je me retrouve à être à un message Instagram de beaucoup de personnes, fait qu'en fait, je cultive peut-être moins mes amitiés et fait aussi que du coup, je peux être plus oisif dans mon confort quotidien. Et on peut le voir notamment avec les applications de rencontres qui a rendu, selon moi, les gens terrifiés des rencontres en vrai. Beaucoup moins de gens abordent, beaucoup moins de gens se rencontrent dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très... je trouve ça beaucoup plus vrai en France que dans d'autres pays. Ou pour ceux qui ont voyagé, on peut voir que dans d'autres pays, c'est très, très social et se rencontrer est beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours qu'en France, et notamment à Paris où nous sommes, où il y a toujours cette peur de l'inconnu. Tout à fait. Par ailleurs, dans une perspective un petit peu féministe de la drague, par exemple, il y en a pour qui la drague dans la vraie vie, le fait d'aborder une femme constitue déjà un harcèlement de rue, alors que c'est tout à fait généralisé d'envoyer absolument le même message à des centaines de filles sur Tinder. Il y a à peu près cette idée-là, même sur la drague de rue. Je trouve qu'il y a peu de gens qui défendent réellement le fait qu'il ne faudrait pas aborder une femme noire. Oui. Ça dépend toujours de la manière et de la personne qui le fait. C'est assez marginal, mais ça existe. Stanislas, sommes-nous, en tant que nation, en tant que pays, en tant que civilisation, on pourrait dire, sur une dynamique ascendante? Alors, en tant que pays, pareil, c'est vrai que Valorant a raison, on ne peut pas dire on est en train de descendre, on est en train de monter. Je pense qu'en revanche, il y a... peu de gens aujourd'hui sont réellement heureux de ce qui se passe en France. Déjà, pour une seule et bonne raison, on voit au quotidien, il y a de la contestation de tous bords, en fait, parce qu'on a communautarisé le pays, notamment, je pense. Donc, en fait, en fonction de là où on est, de là où on parle, en fait, on a une vision totalement biaisée, en fait. Mais qui est une réalité, en fait, parce que c'est-à-dire que moi, je suis absolument pas d'accord avec la France insoumise et avec le discours, par exemple, anti-flic. En revanche, ces gens-là le ressentent. S'ils sont sincères, ils le ressentent. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne sont pas contents. Et nous, de l'autre côté, par exemple, on va dire à droite, dans le plan national, on va reprocher à l'État d'être pro-racaille, d'être pro-migrant, etc. Eux reprochent l'inverse. C'est bien la preuve qu'en fait, juste au sein de la société, sur un exemple très concret, on est quand même sur quelque chose de très néfaste, en fait. Après, évidemment, sur le progrès, c'est vrai que le progrès, en fait, c'est un mot, c'est pour ça qu'on dit les progressistes, notamment. Mais en fait, le progrès n'est pas forcément une bonne chose en soi, et on le voit, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question bioéthique, les questions qui vont concerner la vie, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Je ne suis pas sûr que forcément que ce soit à nous de le définir. C'est vrai que sur les avancées technologiques, on en est tous très contents, mais la question que j'ai envie de te poser quand tu dis « ouais, on peut communiquer avec quelqu'un à New York », mais est-ce qu'on en a réellement besoin, en fait? Et tu vois, ce qui est intéressant, et justement, je lis en ce moment le livre de Patrick Buisson, justement sur ce qu'il dit, il dit en fait « est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça, en fait ?» On est dans un truc, dans une société, en fait, on voit qu'on a besoin toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi, je le vois, j'en suis moi-même victime, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai Instagram. Dès que je suis avec des amis où je vais profiter d'un moment, je vais filmer, je vais mettre en avant, je vais regarder un texto, etc., etc. Et je trouvais ça intéressant quand tu disais que tu cultivais peut-être un peu moins tes amitiés à cause de ça. Et c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir ta vision nuancée. Je pense qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours besoin de plus. Et en fait, le progrès n'est plus un progrès pour le bien de la société, mais c'est un progrès pour la grandeur de l'homme, en fait, et pour son ego, en fait. Et tu vois, typiquement, le drame écologique dans lequel on se dirige sûrement, moi, je suis pas du tout en train de dire il n'y a pas de problème climatique, etc. Il est à mon avis dû justement à ce toujours plus grand, c'est la tour de Babel grosso modo. Et le Covid, à mon avis, est une très bonne expérience de vie, mais j'ai l'impression qu'on n'en tire pas les bonnes leçons. Ça va être un virus, un truc qui est microscopique, en fait, a mis en arrêt le monde entier. Non mais c'est vrai, c'est un truc, on a beau dire on est les meilleurs, tout va bien. Il y a un truc qui est plus petit que... Alors, il n'y aurait pas à le faire avec mes mains, de fait. C'est un truc microscopique et qui a mis en arrêt le monde entier, en fait. Et le monde entier, quand il s'est arrêté, aussi, on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est que le lien social... Le vrai lien social, donc le lien social, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est toi et moi en train de discuter avant l'émission, c'est moi en allant en bar avec les amis, c'est le boucher du coin, c'est le bar du coin, c'est l'église du village, c'est le parti communiste aussi à l'époque qui rassemblait des militants. C'est vrai. Tout ça, en fait, faisait qu'il y avait un lien social, les gens se parlaient. C'est-à-dire que toi et moi, ça se trouve, on aurait pu se rencontrer sur Twitter en commentaire d'une de tes vidéos, j'aurais dit, dis donc les gars, je sais pas quoi, c'est faire une critique. Tu m'aurais répondu en 240 caractères, je t'aurais répondu en 160, et en fait, on serait dit, toi t'es un connard, moi je suis un connard. Juste le fait de parler 15 minutes avant l'émission, on se rend compte qu'il y a on a sûrement plein de différences sur les idées, mais il y a des points de convergence. Et il n'y a que le lien social qui permet ça. Et juste la destruction du lien social en France, après les problèmes identitaires, les problèmes écologiques, les problèmes économiques, tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction actuellement. Mais en revanche, j'essaye, et c'est pas facile tous les jours, d'être optimiste et penser qu'on peut changer les choses. Demain était peut-être très bien sur plein d'aspects. Je pense qu'on vivait peut-être mieux humainement. On était plus heureux, aujourd'hui un peu moins, et j'espère que demain on le sera plus. Alors moi, je veux rebondir là-dessus juste pour parler de culture du désaccord.
Ouais. Qui est très française, fondamentalement. Et nous, c'est ce qu'on défend au crayon, mais c'est d'ailleurs même moi ce que je défends dans ma vie, c'est j'ai eu énormément d'amis dans ma vie, pour différentes raisons, qui avaient soit des milieux sociaux différents, soit des identités politiques, par leur famille ou par eux-mêmes, assez différentes. Ouais. Et je me suis rendu compte que plus on avançait dans le temps, plus, peut-être parce qu'on vieillissait, mais j'ai pas l'impression que c'était ça, je pense que c'était vraiment la société, plus les désaccords se faisaient irréconciliables et surtout violents. Et je discutais un peu en off justement du fait qu'il ne faut pas se sentir possédé ou donc que son identité ne devrait pas être liée à son avis politique. En fait, nous, c'est un peu ça la logique. On a fait un débat sur la chasse, donc une fille qui chasse une fille qui s'appelle Marine, insta chasseresse, et Pierre Rigaud, qui est un animaliste qui est anti-chasse. Rigaud. Aucun rapport, je n'ai jamais défendu ça. Aucun lien. Et ce qui est assez marrant, dont on s'est rendu compte, c'est que les deux avaient eu le temps de parler, et ils en avaient été très contents. Ils avaient été très courtois entre eux. Je pense que s'ils avaient été sur Twitter, comme tu dis, ils se seraient juste incendiés, sûr, ouais. Quasi se menacés, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait, mais on en était à la limite là, et qu'à la fin, ce qui me frappe, moi, c'est les gens ont vraiment cette logique désagréable autour du désaccord. C'est vraiment, ça leur fait du mal, quoi, le désaccord. Et moi, c'est pas que je comprends pas ça, mais c'est ça que, dans la direction dans laquelle nous, j'ai envie qu'on se batte, c'est le fait d'aimer être en désaccord. L'Assemblée nationale est un bon exemple de ça. Parce que malgré ce qu'on dit sur nos politiques qui sont critiquables par plein d'aspects, l'Assemblée nationale, il y a toujours cette logique d'outrance, cette logique de réaction, d'applaudissement, de huée. Parfois sur des sujets très graves dont il ne faut pas rigoler, je l'accorde, mais de fait, c'est ça moi que je cultive dans la logique de la vie française, quoi, en fait. Une vie de désaccord et une vie où on aime en fait confronter nos idées pour les affûter. Non, mais c'est intéressant que tu parles de l'Assemblée nationale parce que on peut aussi parler de politique à ce niveau-là. En fait, la politique, comme quasiment tous les milieux en fait, les milieux de pouvoir, les milieux de médias, etc., se sont tous communautarisés aujourd'hui. C'est qu'en fait, les politiques aujourd'hui ne parlent plus aux Français, mais parlent à des électorats en fait. Mais Macron, lui, est très fort, il arrive à alterner les deux. Mais Macron, par exemple, il est obligé d'alterner les deux pour contenter le plus de gens possible, parce qu'il est président, il a besoin de se maintenir, etc. Mais la France Insoumise parle à un électorat très clair, le RN aussi, tout le monde parle à des électorats, alors qu'en fait, il faut parler aux Français. Et sauf que le problème, c'est que personne ne parle aux Français. Pourquoi? Parce que on ne peut plus parler aux Français parce que le peuple français est un peu en train de se désagréger petit à petit en fait. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence aujourd'hui entre le gars, et parce qu'il y a plusieurs raisons et je vais essayer d'y venir après, c'est que le gilet jaune aujourd'hui n'a aucun rapport. Quand je dis gilet jaune, je parle pas du casseur, je parle du gars qui était sur les ronds-points au début, qui en gros avait l'impression d'être oublié par l'État, etc. etc. N'a aucun rapport avec le bourgeois du 16e, qui n'a aucun rapport avec le bourgeois d'une petite ville, qui n'a aucun rapport avec un gars de banlieue, qui n'a aucun rapport avec un fermier, un agriculteur. Et bien en fait tout ça est la conséquence du manque de commun entre les Français. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la France, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple évidemment, mais c'est aussi une religion. Donc en fait la religion par exemple, et c'est pour ça que je parlais de Buisson tout à l'heure, il explique très bien à un moment, il y avait dans les années 60, il y a eu quand même 1 million de musulmans en France, ce qui est une population quand même assez forte et assez importante. Pourtant, il n'y avait pas ces problèmes de communautarisme. Pourquoi? Parce que la France était catholique. Et quand je dis catholique, c'est pas que tous les gens sont croyants. C'est qu'en fait, il y avait une culture commune, une histoire commune, qui fait qu'en fait, il y avait un peuple uni. Alors qu'aujourd'hui, objectivement, et ça se voit en fonction de si on part du 16e là, dans lequel on est actuellement, ou si on va à Porte de la Chapelle, ou si on va dans le Marais, ou si on va après au Mans, si on va à Rouen, etc., on ne vit plus ensemble. En fait, les Français ne vivent plus ensemble. Et moi, la phrase qui m'avait choqué, c'est celle de Gérard Collomb, qui dit aujourd'hui, on vit côte à côte, bientôt on vivra face à face. En fait, ce face-à-face, il n'est pas forcément guerrier. Ça se trouve, on va durer pendant des années encore à s'ignorer, etc. Pour autant, aujourd'hui, ça me semble être évident, le peuple français n'est plus uni parce que les gens ne s'agrègent plus. Alors, soit les nouveaux arrivants ne s'agrègent plus, soit les gens ne croient plus en la France parce qu'ils n'ont plus de raison d'y croire, en fait. C'est quoi la France aujourd'hui? C'est Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'incarne Emmanuel Macron? Si on devait dire, Emmanuel Macron, c'est le président de la France, il incarne quoi? C'est quoi la France d'Emmanuel Macron? Rien. C'est le en même temps, c'est le vide. C'est quoi la France de Jean-Luc Mélenchon? Pour les gens de droite, c'est l'ultra-gauchiste, l'islamo-gauchiste. C'est qui Marine Le Pen pour les gens, etc. etc. Et en fait, il n'y a plus de transcendance, et il n'y a plus rien à quoi s'agréger. Et s'il y a des problèmes migratoires, il y a évidemment le nombre, il y a un problème à mon avis avec l'islam, et il y a aussi le fait que surtout on ne leur propose rien. Et tout à l'heure, on avait une discussion, j'en termine là, sur les jeux vidéo et le rap. En fait, on ne propose plus rien aux gens. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des trucs de substitution à l'aventure. Donc l'aventure, avant, on avait le service militaire, les jeunes habitaient en campagne, les gens on marchait, on n'avait pas besoin de prendre l'Uber toutes les 2 minutes ou la trottinette. Avant, les gens étaient obligés de lire, parce qu'en fait, ils n'allaient pas sur Wikipédia pour taper leurs recherches sur Bernanos ou sur André Gide, ils allaient lire les livres de ces gens-là pour les comprendre, et ils les lisaient entièrement pour bien comprendre. Aujourd'hui, on se contente de bribes.
Et en fait, tout ça, c'est parce que la France, l'État n'a plus rien à proposer à ces gens-là. Et vu qu'on n'a plus rien à proposer, que ce soit les Français, on va dire, de souche, ou les immigrés ne peuvent pas s'agréger, donc on n'a plus un peuple, et donc c'est pour ça qu'on est Mais sur une pente. c'est là où justement on ne devrait pas avoir à attendre que l'État nous propose quelque chose. Ouais, quand je dis l'État, Moi, je je. parle de. Oui, non, mais je Ouais. comprends bien que tu Pas de parles Macron, du pas de Macron. pays, évidemment, quand tu dis l'État, tu parles de l'institution française. Pour moi, enfin, c'est nous qui la composons. Moi, j'en reviens souvent à ça, mais je trouve qu'il y a eu énormément de gens, et là, pour le coup, c'est sur tous les partis politiques confondus, qui en reviennent quasiment toujours à l'État quand il y a un problème ou une potentielle solution. Et moi, je pense que c'est un problème parce que tu parles du manque de lien social. Le Covid, Ou, heureusement qu'il y avait l'État. oui, mais bien Le sûr. Covid est vécu. Non, mais je suis d'accord. C'est évidemment, mais c'est assez exceptionnel pour autant. Moi, prends l'exemple justement de ce que tu disais sur le catholicisme. Je pense que la France est un pays catholique à la base et que cette évolution qui mène vers moins de catholicisme, il mène pas vers moins de catholicisme en soi, il est vers moins de religion. Et pour moi, c'est ça qu'il faut pas oublier. Mais c'est pas sûr que ça soit vrai, ça. Oui, mais Il y a, y a d'autres religions qui prennent leur place. L'islam, et aujourd'hui, les gens qui viennent de pays musulmans sont toujours musulmans en France. Sinon, on a détruit l'église. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont aussi assez peu croyants et beaucoup qui respectent assez peu aussi les dogmes et si tu regardais la proportion, elle serait pas aussi écrasante qu'on veut bien nous laisser croire Non. ou que les médias le transparaissent. Et que moi, sur ce point-là, ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, il y a cette logique que je trouve hyper dommage qui est que à chaque fois qu'il y a un problème, c'est un peu ouin-ouin l'État. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi prendre soi-même le courage d'aller parler à son voisin. Tu parlais de vivre côte à côte, vivre face à face. Bien sûr que la phrase de Gérard Collomb, elle a marqué beaucoup de gens, et elle a marqué d'autant plus de gens que c'était un maire socialiste dans le gouvernement Et macroniste. ministre de l'Intérieur, donc Et si tant ministre est de le mec qui a le l'Intérieur. plus d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Oui, mais est-ce que Darmanin est celui qui a le plus d'informations selon toi? Voilà. Ah bah si, je pense, sur les données d'insécurité, de nanana, Oui, comme mais il de peut y avoir tarifs. un manque de recul, mais bref, Peut-être, donnons du mais il crédit n'y à a la qu'à mes parole de infos. Gérard Collomb, que j'estime potentiellement Je vraie. rappelle aussi que François Hollande était allé un petit peu dans le même sens en parlant du phénomène de partition. Oui, bien sûr, et je suis pas du tout en train de contester ça, moi je pense que beaucoup de Français le ressentent, mais je pense que beaucoup de Français le ressentent, y compris, parce que là on parlait de la droite, mais y compris à gauche et y compris à l'extrême gauche, ce sentiment justement de vivre face à face. Mais pour moi, il s'agit de passer à l'action. Ça fait un peu de discours d'entrepreneur, même si c'est ce que je suis, donc ça me dérange pas de le Ça faire. tombe Mais bien du coup. en fait, il faut passer à l'action, même sur des choses comme tu décris, des choses sociales. Parler à ses voisins, c'est pas attendre forcément que ses voisins nous parlent. Ça peut être nous-mêmes aller parler à ses voisins. Et comme par hasard, on découvre que ses voisins peuvent être tout à fait sympathiques quand on fait ça. Et que tu parles après des phénomènes, que ce soit d'insécurité ou de style de vie même différent en fonction des quartiers, des villes et des zones et tout ce qui va avec. Mais tout ça est en fait c'est la conjonction entre guillemets, de la nature. Enfin, c'est un peu le marché social qui se rencontre dans un quartier et qui crée la tendance et le lifestyle de ce quartier-là, qui fait que c'est très différent dans le premier arrondissement de Paris, dans le 13e ou dans le 18e, et que c'est très différent à Marseille, à Bordeaux, à Périgueux, à Strasbourg ou dans des villes de campagne plus petites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est la somme des individus qui vivent dedans. Et pourquoi c'est la somme des individus qui vivent dedans? C'est parce qu'on est aujourd'hui dans un paradigme individualiste. Et Et que. c'est pas un problème pour toi? Mais je sais pas, est-ce que vous vivez votre vie de manière individualiste, vous les gars? Je Ah pense que bah oui, en plutôt vrai. oui. Bah oui, est-ce que c'est Et une que vous bonne êtes pas chose? mécontent de Ah ça, bah en soi, pour votre vie à oui, mais vous. est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà sur l'État, je pense que tu as raison. Ce que je voulais dire par rapport à l'État, c'est je dis pas que nous on doit rien faire, qu'on doit tout attendre de Bien l'État. sûr, je te titille, Non mais évidemment. j'ai vu, non, t'as raison en plus. Non mais en plus, du coup, ça me permet de me reprendre par rapport à ça. En grosso modo, et d'ailleurs c'est le régalien, grosso modo, sur un certain nombre de sujets, c'est à l'État de s'en occuper. Typiquement, voilà, la gestion, j'en sais rien, des affaires étrangères, des frontières, etc. Ça, c'est pas à nous de le faire. Et voilà. Sur l'individualisme, à mon avis, c'est tout le problème. C'est que, est-ce que nous, on vit individuellement? Bah oui, sûrement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Et en fait, et justement, évidemment qu'on peut aller parler à l'autre, etc., etc., etc. Mais en fait, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont faites pour qu'on ne le fasse pas. Et les réseaux sociaux en sont un exemple. Et encore une fois, le communautarisme est beaucoup plus compliqué quand les gens sont plus nombreux. C'est-à-dire que tu mets, toi, si tu habites demain, je prends un exemple, tu vas habiter en Algérie, grosso modo, tu es tout seul. Tu arrives dans l'immeuble, tu es tout seul. Dans un immeuble, bah, évidemment, tu te plies aux coutumes, tu fais à Rome, vis comme chez les Romains. Et grosso modo aussi, après, tu as ta femme qui te rejoint. Donc, déjà dans ton appartement et au moins sur ton étage, à l'immeuble, au cinquième étage, tu vivras un peu plus à la française parce que c'est normal, c'est là d'où tu viens. Puis après, si tu as tout l'immeuble, en gros, qui a ta famille, tes amis, etc., dans tout l'immeuble, tu vivras à la française et tu ne seras pas répréhensible en soi. Enfin, tout le monde pourrait comprendre ça. Mais après, le problème, c'est qu'à la fin, il y a une société dans la société. Et en fait, c'est ce qu'il y a aujourd'hui en France dans beaucoup d'endroits. Et quand je dis que l'État ne propose rien, c'est qu'en fait, l'État ne propose pas de transparence, on n'a pas envie de s'agréger au peuple français, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le peuple français.
On ne sait plus ce qu'est la France, etc. Et je ne suis pas forcément d'accord. Il y a des points encore très français. Comme l'outrance. Mais non, mais ça, mais justement, même ça. Comme l'outrance, comme la caricature. Qu'est-ce qui fait qu'on est français? Sur le crayon, si à un moment donné, si les chaînes comme le crayon, et par exemple un truc comme les tournées peut exister aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a de moins en moins d'outrance dans les grands médias, dans les trucs institutionnels. Aujourd'hui, tu regardes les débats de l'époque, j'ai plus les noms de l'émission, ils buvaient, ils fumaient, ils s'insultaient dans tout le côté. Apostrophe. Mais tu vois l'idée, aujourd'hui, ouais. En fait, même au niveau du classement de Reporters sans frontières, on a encore perdu 7 places cette année. C'est qu'en fait, même au niveau de la liberté d'expression, on perd. Les réseaux sociaux sont en train de segmenter la liberté d'expression. Donc même l'outrance, mais je pense que c'est un autre exemple après, même l'outrance, je trouve ça... Je vais prendre deux exemples, parce que vu que tu parles aussi de Reporters sans frontières, je vais prendre un deuxième exemple. Mais je prends juste mon premier exemple que j'avais en tête, c'est sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Nurshid LinkedIn, qui est un groupe qui se fout de la gueule ouvertement des gens qui font des posts LinkedIn un peu trop ridicule ou un peu trop Startup Nation, pour prendre cette expression-là. Il y a des gens qui peuvent passer des heures à faire des mèmes pour se foutre la gueule d'autres personnes, et ce groupe-là est super actif, et c'est ça la France. C'est magnifique. Je veux dire, c'est tellement drôle. C'est drôle à des quantités. Ok, on va parler de la notion de débat, par exemple. T'en parlais tout à l'heure. J'ai pris un deuxième exemple sur le truc de Reporters sans frontières. C'est l'affaire Evian, qui avait fait été brûlante de chez Brûlante. C'est dommage pour de l'eau, en plus, qui vient d'être brûlante. Sauf pour des pâtes. Exactement. Et moi, ma vision de la liberté d'expression, c'est que Evian devrait certes, probablement pas, même certainement pas, s'excuser d'avoir fait un tweet sur de l'eau. En revanche, moi, la liberté d'expression que je défends, c'est qu'on a le droit de dire que c'est pas fin ou que ça nous plaît pas. Après, c'est juste à Evian de ne pas se plier derrière ça. Mais ils ont le droit de... Tu vois ce que je veux dire? Et je suis totalement d'accord sur le fait que tout le monde a le droit de dire « Evian, vous avez le droit de faire ça ». Ça, je suis d'accord. On a le droit de se plaindre. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est français. En revanche, t'imagines qu'aujourd'hui, on arrive en France dans une... Ah, c'est marrant, tu parles d'Evian, mais on est arrivé dans une société où une marque d'eau parle d'eau le jour du Ramadan, et ça fait une polémique et que toutes les chaînes en parlent. Mais c'est dramatique, ça. Parce que les gens sont très contents d'utiliser cet exemple-là pour montrer que... Non, mais c'est révélateur de quelque chose. Non, mais attends. Oui. Que certaines chaînes, que certains médias, que certaines personnes en reparlent pour le buzz. Soit, ok, très bien. En revanche, si le sujet est amené et qu'on en parle, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, un bouddhiste en France voudrait faire la même polémique. On s'en battrait tous les couilles. Oui, mais ça, c'est parce que la droite et l'extrême droite est très contente de reprendre cet exemple en mode mais quand, on ne peut rien faire, rien dire. Sauf que attends, parce que derrière, quand tu as des groupes de pression, par exemple, quand on avait l'affaire Sleeping Giants par rapport à Valeurs Actuelles, j'ai envie de te dire, dans une perspective de liberté d'expression, on a le droit, enfin, Sleeping Giants a le droit de boycotter Valeurs Actuelles, on a le droit de faire en sorte qu'ils perdent absolument tous leurs annonceurs et que le journal s'effondre et qu'ils ne puissent plus faire de numéros. Pareillement, oui, j'ai envie de te dire... Ça ne t'échappera pas que ça leur a été plutôt bénéfique, finalement, toute cette histoire, vu comment les choses ont tourné. Très franchement, je sais pas. Je pense qu'ils ont une bonne défense, mais très franchement, à mon avis, sur un court instant, ils en ont plutôt pâti plus qu'autre chose. Oui, mais c'est la guerre, c'est normal. Enfin, c'est la guerre, c'est le... Oui, d'accord. C'est difficile, ensuite, c'est normal. Oui, sauf que ensuite, c'est quand tu essayes de rendre impossible le débat adverse. Là, en fait, d'abord, t'es dans une perspective où chacun on a le droit de dire ce qu'on veut. Sauf que après, on arrive très vite dans une perspective de quand on est assez nombreux et quand on représente un groupe de pression. Par exemple, quand on est une communauté qui est capable de faire en sorte qu'une entreprise fasse faillite, ça devient j'ai le droit de faire en sorte que l'autre ne puisse plus dire ce qu'il veut. Tu comprends? Oui, mais donc après, derrière la fin du débat, on a vu, depuis que Zemmour est à CNews, on a vu plein de gens, notamment de la France Insoumise, qui voulaient plus ensuite aller sur CNews. Bon, depuis, il y en a 2-3 qui y vont de temps en temps. Par exemple, aussi énorme, la fin de la revue Débat de Pierre Nora, qui avait eu 40 ans, et là, début 2020, ça a fermé, parce que pourquoi? En fait, les gens ne veulent plus venir débattre. On est en train de perdre la culture du débat en fait en France. Oui, ça je suis d'accord, et ça c'est ça qui doit être conquéri. Et c'est ce que je disais quand je parlais de culture du désaccord. Moi ça je suis complètement d'accord, enfin je suis d'accord de un désaccord, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut reconquérir et le débat et la volonté de cultiver cet amour du désaccord. De fait, je veux pas du tout qu'on rentre aussi dans un pays où on va commencer en fait à jouer au même jeu que celui qu'on condamne en devenant les mêmes condamnateurs que ces gens-là. C'est complètement stupide. Et je reprends cette affaire Evian juste pour clore le débat, mais moi je dis juste que c'est la faute d'Evian de se plier. Et s'ils se plient et qu'ils font mauvaise presse, c'est leur risque à eux. C'est une entreprise privée, c'est à eux de gérer leur image et leur fonctionnement. Et que je prends l'exemple de Valeurs Actuelles, que Sleeping Giants ait fait reculer les annonceurs, Mediapart, on ne peut pas faire reculer les annonceurs, il n'y en a pas.
Il n'y a que leur recteur qui peut les acheter. Et Libération et Le Monde, Libération et Le Monde, ils ont des subventions publiques. Des millions d'euros alors qu'ils sont déficitaires. Il y a aussi un problème là-dedans, tu vois, en termes de liberté d'expression. Oui. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, on parlait, tu parlais d'Evian, c'est pas pour parler d'Evian, mais c'est pour parler en gros de ce que représente l'affaire Evian. C'est intéressant sur la liberté d'expression, sur le débat, ça, c'est très intéressant. Mais en fait, surtout pour lier un peu le sujet, notamment à la perte d'identité ou à l'insécurité en France, qui pour moi, quand même, on a beau dire ce qu'on veut, mais la sécurité, on ne peut vivre dans un pays si on se sent en insécurité. Et d'ailleurs, c'est un argument que j'entends beaucoup, c'est un sentiment dont c'est pas une réalité. Alors déjà, je pense à titre personnel que c'est une réalité, je pense que les chiffres le démontrent et les actes. Terrible tous les jours le démontre aussi, mais même si c'était seulement un sentiment, c'est dramatique en fait de se dire qu'il y a des gens qui se sentent en insécurité. Et sûr c'est que rien que pour ça, et là je vais même pas, on va pas en faire 2 heures dessus, mais enfin je vais pas faire 2 heures dessus plutôt pardon, mais rien que le fait que je reviens dans un pays où en fait des policiers se vont assassiner chez eux, qu'en fait en une semaine tous les jours t'as un flic qui se fait tuer, poignarder, attaquer, rien que ça, quand les gens qui sont censés nous protéger sont eux-mêmes menacés, je pense qu'on est arrivé quand même à un moment de délitement de la société qui est quand même dramatique. C'est-à-dire que comme tu l'as fait tout à l'heure, je ne sais plus pour quel sujet, tu as nuancé, oui, c'était sur le sujet que tu disais, sur les producteurs, en disant, c'est pas parce qu'il y a un producteur qui a fait ça que... Mais en fait, c'est pas un, c'est des centaines. En fait, il y a eu un moment, je crois qu'on dit qu'il y avait 120 attaques au couteau par jour sur l'année 2019-2020. 120 attaques au couteau par jour. C'est incroyable. Oui, mais les chiffres dits comme ça sont de toute façon énormes, et ça, moi, je veux pas les contester. Et puis, si tu comparais les chiffres de nombre de morts par arme à feu aux États-Unis, il est 15 fois supérieur en France parce qu'ils ont des armes. Pour pas parler de chiffres, Samuel Paty. Non, mais bien sûr, mais moi, je conteste pas. Moi, je conteste pas l'insécurité que ressentent ou que vivent les Français. Moi, ça, je le conteste absolument pas. En revanche, je pense que on avait discuté avec Bruno Attal, qui a monté une chaîne qui s'appelle Touche pas à mon flic, que je vous conseille d'inviter d'ailleurs ici. Et il est venu une fois. Venu. Ouais. J'avais pas regardé. C'est ma faute. Si le monteur pouvait arrêter de nous interrompre. mais lui, quand je prends cet exemple-là pour vraiment faire tout un point, c'est on l'écoute sur TPMP ou sur des chaînes de grande audience où il a très peu de temps de parole. Il fait très extrême et jusqu'au boutiste. Nous, on l'a reçu dans un cadre plus calme, plus contradictoire et en même temps où il avait plus le temps de développer ses arguments. Et on en a découvert un homme bien plus nuancé que ce que les chaînes de télévision stéréoïdées au buzz veulent montrer. Et de fait, ce que je veux en montrer par là, c'est que lui, du coup, aussi parle des violences policières ou des violences des policiers, peu importe comment on veut les appeler, justement du fait que ces gens-là ne sont aujourd'hui pas condamnés aussi. Certains n'ont pas été pendant longtemps. Et c'est ça aussi qui a créé le sentiment de la France insoumise ou de certaines personnes de banlieue ou des territoires et des gilets jaunes d'une répression policière. C'est parce que eux ont senti en fait que bah, les gens qui faisaient du mal et parfois outrepassaient leur devoir de policier n'étaient pas condamnés. Et on avait reçu aussi Alexandre Langlois de Vigipolis qui lui nous expliquait qu'il tenait même pas forcément rigueur aux flics en eux-mêmes qui déconnaient parce que eux sont des individus et tu vas pas juger un par un, mais que c'était l'administration qui ne pénalisait pas, notamment par le biais de l'IGPN, ne pénalisait pas ou ne criminalisait pas certaines affaires. Et que autant je suis pour une police qu'on respecte et devant laquelle on se plie parce que c'est le représentant de la loi, en revanche, si le représentant de la loi est biaisé, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un ou une amie noire ou un ou une amie arabe qui se fait contrôler, pas moi. Bah, au bout d'un moment, ça t'arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois devant moi. J'ai du mal à expliquer à mon pote ou à ma pote que c'est juste parce que le flic, il a choisi au hasard. Et après, je veux bien comprendre, on peut dire tout ce qu'on veut derrière. On peut dire, oui, il y a un enfant, enfin, il y a une personne qui avait disparu, qui avait 20 ans et qui était noire, donc on a interviewé le noir parce que, d'accord, mais au bout d'un moment, 3, 4 fois, 5 fois, on voit qu'il y a un biais. Et ce biais-là, je veux pas le contester, je dis juste que, ben, au bout d'un moment, je veux dire, mets-toi à la place de celui qui le vit, ce biais-là. Tu te sens quand même, enfin, tu sais, tu te sens ciblé plutôt qu'un autre. C'est dérangeant quand c'est surtout en plus des gens qui sont en possession d'une violence légitime. Et ça, tu peux pas l'occulter. Attention, 2 choses sur ça, je pense. Un, non seulement, évidemment, c'est dérangeant pour ces personnes-là. Ils trouvent ça, évidemment, c'est désastreux si eux ont le sentiment pour le coup. Et parfois, c'est vrai, une réalité de se faire contrôler juste parce qu'ils sont noirs ou arabes. Ça, évidemment, c'est un problème. Mais en fait, il y a aussi il faut aussi voir la cause de ça. La cause, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a la majorité des gars qui se tiennent mal dans certains endroits sont souvent noirs et arabes parce que c'est les majoritaires dans certains endroits. Alors, je sais pas où tu t'es fait contrôler. On va pas faire du cas par cas. Mais je veux dire, sur cette question-là, moi, je me souviens, on avait fait un truc un peu marrant pour le coup. On avait pris un homme de couleur noire qu'on avait mis en costume avec une mallette et on a mis un homme blanc habillé en mode racaille, enfin on voit tout ce que ça veut dire, mec capuche sur la tête avec en train de rouler un truc, et on disait à votre avis qui a le plus de chances de se faire contrôler, c'est-à-dire que à travers ça je dis pas que ta pote est habillée comme une racaille, mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup de cas où c'est plus l'attitude qui est dégagée
Qu'autre chose, moi typiquement la semaine dernière, j'ai fait un tapage nocturne chez moi, les policiers sont arrivés, j'étais un peu insolent à un moment, je me suis fait me remettre à ma place. Bon voilà, c'est normal en fait. C'est que, mais faut pas se plaindre non plus quand il y a certaines choses, certaines causes qui font que les policiers sont aussi énervés, sont aussi crispés parce qu'ils voient Bon certaines choses. alors les gars, Oula, pardon. parce que là, On ira leur faire une fil, émission sur le crayon, on les a fait survivre. une question, putain. Bon, allez. Deuxième question, les Français d'aujourd'hui sont-ils meilleurs ou moins bons que les Français d'autrefois? Alors, Évian, tu vois, je te disais Évian. Non, non, sont meilleurs. Bah, je t'en prie. Je vais te parler. Bah, vas-y, commence. Non, mais je pense meilleur ou moins bon. En quoi est-ce Précisément. qu'on est plus intelligent qu'avant? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Juste la petite impression que j'ai, parce que j'ai Ouais. pas de vérité absolue sur ça, mais c'est juste que moi, j'ai mes grands-parents qui sont issus de la Mayenne, qui sont agriculteurs à la base. Enfin, c'est leurs mes grands-parents, après, c'est infirmière et l'autre agriculteur. J'ai l'impression une plus grande culture sur le côté littéraire, histoire, mathématiques, que nous. Alors inversement, nous on a une culture, et pour le coup, ça c'est vrai, plus ouverte, on va dire, sur le monde. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, mon petit frère, qui a 16 ans, va être au courant de certaines choses qui se passent au Venezuela ou aux États-Unis, que mes grands-parents ont toujours ignoré et ne sauront jamais. Donc ça, sur ça, c'est un exemple personnel, mais que je pense assez généralisé. Et puis après, si on est meilleur ou moins bon, j'ai l'impression que les gens se parlent moins. Donc est-ce que parler aux gens et être ouvert, c'est être meilleur? Si oui, je pense qu'on se parle moins, donc c'est Un peut-être dommage. renforcement du lien social quelque part, donc oui, je Toujours, ouais. pense. Moi, j'ai deux manières d'aborder la question. La première, c'est, on va dire, une espèce de disclosure, on va dire, de c'est T'as vraiment un on langage d'entrepreneur en plus. Tu me perds à chaque fois. est c'est on est peut-être trop jeune aussi pour être certain de ça, parce que peut-être Ouais. qu'on fera une bonne partie de notre culture aussi quand on sera installé avec des enfants, avec peut-être une stabilité financière, professionnelle et tout ce qui va avec, et que du coup c'est à ce moment-là qu'on rattrapera notre retard. Donc je mets ce petit en disant qu'on est très jeune. En revanche, moi ce que je constate et que je pense vrai, c'est qu'on est entré dans une ère, et Yuval Noah Harari, Ouais. l'écrivain israélien, en parle beaucoup, notamment dans son livre Homo Deus, qui est une forme de darwinisme intellectuel, qui est que dans l'ère d'Internet où tout est accessible, ceux qui iront chercher les infos seront plus cultivés et plus compétents que l'homme ne l'a jamais été. En revanche, il est beaucoup plus facile de s'y perdre et de passer du temps à ne rien apprendre. Et donc du coup, moi je pense que c'est ça aujourd'hui le paradigme dans lequel on vit. Et pour le coup, ça, même enfin, la destruction des structures collectives ne répond, enfin, n'est pas la seule cause de cette baisse du niveau global. Je pense que la baisse du niveau global, elle pourrait être expliquée notamment par ça, qui est que en vrai, nos parents avaient des livres pour s'occuper. Je dis pas qu'ils avaient que ça, mais mettons qu'ils avaient des livres pour s'occuper. Nous, il y a quand même 12 moyens de distraction dans une pièce Bien sûr. de 10 mètres Bah carrés. ouais, C'est quand même un rapport et qui d'échelle tient en ça, quoi. qui Qui tient en tient en ça, par ça. exemple. Ouais. Mais intéressant, alors, juste premier point, mais après je vais reprendre ce que tu viens de dire Bien sûr. sur Internet. Il y a l'éducation quand même aujourd'hui qui se casse la gueule. On a beau dire ce qu'on veut, mais ça devient du fait de l'idéologie, notamment, je pense. Les grandes écoles ne sont absolument plus au niveau, à mon avis, et Une grosse inégalité sociale dans les grandes écoles, je Oui, trouve, attends, moi. attends, bah, sur une inégalité sociale, c'est intéressant. Il y avait plus de pourcentage de fils d'ouvriers, ou que ce soit, qui intégraient les grandes écoles il y a 50 ans ou 60 ans, qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'inégalité sociale, elle est plus présente aujourd'hui, alors qu'on fait des quotas aujourd'hui pour entrer à Sciences Po, par exemple. Donc là, on voit aussi qu'il y a une sorte de. On parle d'égalité à longueur de temps, il y a plus d'égalité, en gros, sous le général de Gaulle et sous Pompidou, que sous Emmanuel Macron et François Hollande. Sur l'éducation, grosso modo, je pense qu'il y a aussi on peut pas dire le contraire, enfin, on peut pas dire, Beaucoup si on peut plus dire le contraire, d'écart, je mais à mon pense, avis, que du niveau. on est aussi moins bon du fait d'éducation nationale. Et sur intéressant, sur ce que tu disais, pardon, sur la recherche d'information, c'est un ami qui me disait ça ce week-end, qui disait, en fait, aujourd'hui, c'est pas celui qui a la meilleure mémoire ou celui qui va le plus apprendre, c'est celui qui saura où aller chercher qui deviendra le meilleur. Et ça, je trouve ça intéressant et ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que Je suis du coup, totalement d'accord avec c'est un toi. nouveau rapport à l'intelligence en fait qui peut se mettre en place. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est vrai que pour le coup, l'avenir nous le dira parce que c'est quand même très récent les gens qui se sont formés grâce à Internet. C'est très récent. En revanche, j'ai l'impression, et c'est ce que tu semblais dire, mais que le problème c'est pour les gens moins encadrés, familialement, scolairement, etc. Ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'arriver à rester concentré sur des choses intéressantes parce qu'aujourd'hui, j'en sais rien, les liens hypertextes de Wikipédia font qu'on reste 30 secondes sur une page en fait. Le fait qu'on soit sur une vidéo Facebook qui dure 3 minutes 30, L'information est ça nous devenue un emmerde. mode de consommation aussi. C'est ça. Mais pareil, bah. Et puis, alors sur ça, alors ça c'est une phrase de Buisson qui est dans son bouquin. Il dit qu'aujourd'hui, alors j'ai pas la j'arriverai peut-être pas à rester de tête, mais en gros, il dit on est passé d'un monde de conception à un monde d'information en fait. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y a des gens qui avaient une certaine conception parce que justement, ils étaient peut-être plus axés sur un aspect, genre j'en sais rien, ils allaient
beaucoup se concentraient sur un auteur, ou ils allaient justement avoir une vision, plus globale. non, mais une conception en gros du monde tel qu'il devait être ou tel qu'il était. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'informations, en fait, ça va tellement vite, et ça, notamment quand on est jeune, en fait, en une journée entière, on peut faire changer d'avis n'importe qui, je pense, en Alors, l'abreuvant de bah, trucs. ce que tu dis là, moi, ça me fait beaucoup penser à la logique de la spécialisation versus la moyenne, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'à Ouais, c'est vrai. l'époque, on était Oui. plus concentré sur un, deux ou trois domaines, là où aujourd'hui, on est quand même dans la culture de l'employé polyvalent, quoi, on va dire. Regardons l'évolution de la notion d'intellectuel. Jusque dans les années 90, un intellectuel, c'était quelqu'un qui réfléchissait à la société de manière générale. Depuis 20, 30 ans, il a son sujet à lui. Alors c'est un économiste, ou c'est un sociologue, ou c'est un historien, il va pas regarder le reste pour avoir une espèce de conception très globale. Mais en revanche, on va l'appeler en tant qu'expert sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, ça va être donc sur France Culture ou d'autres médias ou dans les universités. Par rapport au premier point, je ferais quand même remarquer, je peux pas m'empêcher de voir, d'observer que voilà, quand je tombe sur des vidéos, par exemple, de l'Institut national de l'audiovisuel, quand on pose des questions à des enfants qui ont entre globalement 8 et 15 ans sur absolument n'importe quoi, là n'est pas la question, j'observe quand même que leur mode d'expression orale est mieux évolué que le mien, moi qui ai 20 ans. Et qui n'ai pas franchement été délaissé dans le milieu de l'éducation nationale. J'étais plutôt privilégié dans ce domaine-là. Et très franchement, leur mode d'expression est beaucoup plus évolué que le nôtre, je Mais parce que trouve. tu es conservateur sur la langue. À l'inverse, tu as peut-être plus de mots pour décrire un paquet de choses dans la vie de tous les jours. Je prends l'exemple tout simple qui est très récurremment pris, et moi j'utilise aussi ce mot-là parfois, c'est le seum. Le seum est un mot qu'on ne peut pas réellement traduire en français. Je ne dis pas que c'est forcément une bonne ou une mauvaise chose, La je dis juste qu'en tout déception. cas, on ne peut pas occulter le fait que ça nous apporte aussi des grilles de vocabulaire qui nous permettent d'exprimer peut-être un panel plus large des choses. Est-ce qu'on parle moins bien le français comme le parlaient nos parents ou nos grands-parents? Ça, j'en suis quasiment certain. Est-ce que c'est qu'une mauvaise chose? Je Je pourrais pas dire. pense que oui, parce que très souvent, la manière de construire une phrase rend compte de la manière de construire sa pensée plus largement, et le mode d'expression orale rend compte en réalité du mode de réflexion globale de la personne qui l'exprime. Oui, mais tu peux avoir à l'inverse énormément de gens qui raisonnent. Je pense notamment aux gens qui sont internationaux, qu'on critique Oui. beaucoup aussi en France, mais qui parlent le franglais dont on se moque beaucoup. Cette logique-là, ça peut permettre aussi à des gens en fait de raisonner sur des questions thématiques là de travail, mais de raisonner sans avoir à construire des mots enfin sans avoir à construire des mots dans la langue française, parce que ces mots-là existent déjà dans la langue anglaise, par exemple. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose en soi, parce que je pense que sur la globalité de la population, ça va poser des problèmes, parce que du coup, ça veut dire que les gens ne parlent plus la même langue tous ensemble. Et là, pour le coup, on a un problème de cohésion lié au vocabulaire. Ça, je te l'accorde. En revanche, est-ce que ça rend les gens moins intelligents ou moins pertinents? Ça, je pense que c'est peut-être pas du cas par cas, mais c'est à voir en fonction des situations. Moi, je suis capable de parler un français soutenu, ou un français vulgaire, ou un français technique, franglais, tout ce que tu veux. Ça va dépendre en fait de mon, je sais pas, de mon système de pensée du moment, de ma manière de concevoir la discussion qu'on est en train d'avoir. Je suis en train, avec vous, d'essayer le plus possible d'utiliser un français hyper intelligible qu'on pourrait écouter même il y a 200 ans. Quand je suis avec certaines personnes, disons, je suis sur un langage beaucoup plus moderne. Quand je suis avec d'autres, je suis sur un langage beaucoup plus international, entre guillemets. Voilà, je pense que c'est pas grave d'avoir des manières de la langue différentes. Je pense que ça construit de nouveaux chemins. C'est juste qu'il faut pas, en revanche, et là pour le coup je te le donne autant que tu veux, il faut pas, en revanche, que ça se fasse au détriment d'un tronc au moins commun et initial, Eh quoi. ben c'est parfait, mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait que des types après, que des gens et un accent de Marseille, etc., etc., il n'y a pas de souci. Mais Ben en fait, voilà, non par mais bien exemple. sûr, mais par contre, si on a la même éducation, et qu'en gros on a une éducation, une instruction nationale plutôt compétente, où en gros on apprend les bases, parce que la spécialisation devrait arriver à mon avis après. Et qu'en fait on a une histoire commune, une langue commune, mais vraiment sans justement parler de faire de l'art plastique, apprendre à faire des pâtes à modeler en CP et qu'on faisait que des. Enfin, bon, c'est très bien, pâtes à modeler, hein, c'est là où j'ai les meilleures notes, mais. T'as pas qu'un sel. On fait ce qu'on veut, hein, mais on fait ce qu'on peut. Mais grosso modo, si on avait justement un tronc commun solide, une base commune solide, on pourrait ne pas avoir de soucis avec toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le fait, par exemple, qu'on soit obligé de se dire, ah bah tiens, si je vais à cet endroit-là, je dois parler différemment, etc.
En fait, la langue, ça devrait être la chose la plus commune. Enfin, c'est le truc le plus simple, parce que limite, tu vois, tout à l'heure, je parlais de la religion. La religion, il y a toujours eu des gens qui n'ont pas cru, etc. La religion, c'était une façon de transcender les gens. C'était une façon de voir la vie d'une autre façon, et de pas se dire, de pas avoir une simple vision matérialiste de la chose. Et ça, je pense que c'était l'utilité de la religion, en fait, au-delà du côté spirituel, c'était aussi d'intérêt commun, pour le bien commun, en fait, il y avait une utilité propre à ce qu'était l'Église. Et c'est pareil chez les musulmans, c'est pareil avec d'autres religions, etc. En fait, et d'ailleurs, enfin, les régimes totalitaires ont aussi fait ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait une transcendance par leur chef, les nazis avec Hitler, c'est ça, Mussolini, c'est ça, il y a une transcendance par rapport à ça. Oui, même Staline. Staline, enfin voilà, tout ça, c'est important qu'il y ait une transcendance, en fait, et on l'a plus, mais alors. Et c'est plus compliqué de la retrouver. Par contre, la langue, c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver facilement et avoir tous la même et avoir un bon niveau. Et je trouve ça dommage, aujourd'hui, que ça se casse un peu la gueule, à mon avis. Mais voilà, après, moi, Pardonne-moi, je te coupe, mais il y a déjà le verlan en 1900. Ah, bien sûr. Mais attends. Je le dis, ça a l'air d'être un nain, mais le verlan parents. Je sais pas si c'est le cas, mais que nos parents nous ont tellement condamnés quand on était, quand on était plus jeunes, bah. Le verlan existait en 1900, il y a une série qui s'appelle Paris 1900 qui a notamment traité de cette thématique-là, enfin pas de la langue en particulier, mais qui traitait de Paris en 1900 et il parlait en verlan, des expressions que si je te sors ces expressions-là, quand t'as 14-15 ans et que tu sors de l'école, tes parents vont te dire « Ah, c'est pas un bon français !» Mais bien sûr, mais attends, dans la guerre des boutons, mais après ça si n'empêchait pas ces gens de parler un français tout à fait correct sur le côté. Moi je pense qu'il y a un peu de fantasme aussi là-dessous, je pense qu'on est aussi très content de s'imaginer que c'était du Jean de La Fontaine à tous les discours. Pas du Jean de La Fontaine, mais si tu veux je t'enverrai des vidéos, on pourra comparer un petit peu les différents modes d'expression de chacun. Oui, on voit les vidéos de Lina. Moi, j'ai vu une vidéo de Lina où tu voyais des enfants en bas âge qui parlaient un très bon français. Oui. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'ils n'ont pas répété une heure ou deux avant l'interview Je pense que c'est un meilleur niveau de français que ce qu'on voit généralement à l'oral du bac. Hein. Je le conteste pas. J'essaie juste de dire que je pense pas que ça soit aussi clair que la France parlait mieux français avant. Je pense que c'est vrai dans la tendance, mais je pense qu'il y a des grosses différences. Et je prends l'exemple du verlan ou de tout ce qu'a apporté notamment la langue arabe ou la langue américaine à la France. Je prends l'exemple d'Ayam. Ayam, c'est quand même il y a 20 ans, 25 ans. Oui. Bah, il parlait le loflem, par exemple. Et le loflem, qui est un espèce de dialecte, je pourrais même pas expliquer exactement ce que c'est, mais qui est une espèce de dialecte un peu du sud, où tu rajoutes un peu, c'est un peu comme le javanais. Et bah, ce truc-là existait il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment parlé, le loflem. Donc, en fait, ça a aussi disparu. En revanche, le mot chaise, le mot table, j'exagère, mais le mot chaise, le mot table n'a pas disparu depuis 25 ans non plus. Donc, en fait, il y a aussi des choses qui restent. Il y a aussi des choses qui se conservent quand même. C'est vrai. C'est vrai, mais après, c'est peut-être parce que justement, ce sont des mots qui sont inscrits dans une tradition plus grande, qui ont peut-être plus d'utilité aussi, et qui sont parlés par plus de gens, qui sont peut-être aussi plus simples, tout simplement pour tout le monde. Donc forcément, ça reste plus longtemps. Bon, on va pas essayer de s'attarder trop longtemps sur trop de trucs. Je voulais donc évoquer le domaine de l'économie. Est-ce qu'on est plutôt en déclin ou pas dans le domaine de l'économie? Je voudrais parler plus dans un cadre franco-français sur cette question. Moi, je pense que oui, pour le coup. Je pense qu'on a un vrai déclin économique qui est surtout, en fait, en comparatif avec les puissances américaines et chinoises. On peut même mettre un peu russe dedans, notamment parce qu'on s'est pas coordonné assez avec l'Europe et je suis pas certain qu'on arrivera à le faire un jour. Et parce que on refuse de comprendre que si jamais les tendances se confirment, on va réellement se retrouver aux mains de puissances financières chinoises et américaines. Très rapidement, quoi, d'ici 20, 30, 40 ans, quoi. Ouais. Et moi, j'ai moins peur des puissances pétrolières du Moyen-Orient et tout, parce qu'elles sont justement elles-mêmes sous le joug des puissances américaines et chinoises. Donc certes, elles peuvent imposer un petit pouvoir derrière, mais elles se font même rapidement balayer par ces deux blocs-là. Et que l'Europe ayant refusé de réellement faire un bloc commun, refusé ou pas réussi, peu importe comment on veut le formuler, la France se retrouve du coup dans une stratégie un peu hybride où soit on essaye de continuer la collaboration européenne et d'enfin donner des projets européens cohérents qui permettent de combattre, soit en fait on peut pas compter sur l'Europe et dans ce cas-là il faut qu'on trouve nous des spécialisations comme a réussi le Japon ou la Corée du Sud. Et que là pour le coup il faut qu'on s'y mette rapidement parce que selon moi ça fait depuis la fin des années Chirac qu'on aurait dû se mettre sur plein de sujets, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, l'ADN, le cloud, les réseaux sociaux. Et qu'on en est toujours nulle part. Enfin, l'Europe n'a jamais pondu un réseau social. C'est vrai. Ça, c'est que quand on y réfléchit, c'est quand même dingue. Enfin, ça fait 15 ans qu'on est quand même au courant que c'est en train d'avancer comme histoire. Oui.
Et ça, moi, c'est un truc qui me tue, Et quoi. parce que l'Europe, en fait, à mon avis, l'Union européenne, il peut y avoir des coopérations de nations, il peut y avoir des intérêts communs, des affaires, des marchés communs, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à mon avis, au fond, l'Union européenne ne marchera jamais, ne fonctionnera jamais, parce qu'il y a trop de différences déjà entre les pays. Et qu'en fait, déjà, qu'on voit dans un pays qui fait 66 millions d'habitants, on a du mal à gérer tout le monde. Alors qu'en plus, on se retrouve avec une Europe à une vingtaine de pays qui, en fait, on n'a rien à voir, n'ont pas la même histoire. Des retards pour certains, les pays de l'Est ont un retard énorme et c'est tout à l'honneur, on va dire de l'Occident, grosso modo, d'essayer de les rehausser, mais évidemment, nous, ça nous coûte de l'argent, on perd de l'argent dans tout ça, on perd du temps, etc., etc. Donc, en fait, sur le diagnostic, en règle générale, je suis plutôt d'accord, on va se faire bouffer, surtout, à mon avis, c'est l'Est, c'est le Grand Est avec Russie, Chine, l'Inde, etc., qui moi, me terrifie un petit peu, parce qu'objectivement, on parle beaucoup de sujets, on parle beaucoup, même, enfin, à droite, en tout cas, des migrants. Etc. Donc, ils viennent, mais à mon avis, la vraie grosse menace et face à qui on aura beaucoup de mal, c'est face aux Chinois, qui sont en train de tout racheter. Même, j'ai des amis qui travaillent en Afrique actuellement, etc. Mais en Afrique, ils sont en train de tout racheter. Alors, nous, on avait, mine de rien, sans jouer le vieux colonialiste à deux balles, mais en fait, non, mais c'est pas une blague, là, seul, en fait, ça peut paraître dit comme ça, mais en fait, la France, c'est encore une des langues les plus parlées au monde, et notamment en Afrique. Et je dis pas qu'en fait on doit les occuper, les coloniser, etc. Moi, à la base, de toute façon, la colonisation, c'est pas ma tasse de thé à la base, hein, enfin, du tout. Par contre, le fait est que les gens parlent français là-bas, pourquoi on s'en sert pas? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a délaissé l'Afrique, mais pour des raisons idéologiques, parce que en fait, tous les problèmes qu'on vient de sous-entendre, c'est des problèmes idéologiques. C'est bon, l'Afrique, au lieu de se dire, on va les bosser avec eux, grosso modo, et ben en fait, on se comporte comme des assistantes sociales, en leur faisant croire qu'en gros, c'est des assistés, et en fait, on leur donne de l'argent, et on vérifie pas dans quoi elle va, Oui, etc. on leur donne un peu d'argent et puis les ressources, quoi. Voilà, et ben exactement ce qu'on fait. Tenez, prenez ça, puis après, nanana, enfin voilà. On a une politique qui est juste idéologisée, alors qu'elle n'est pas du tout adaptée au réel. Pareil, la Russie, par exemple, typiquement, les relations entre la France et la Russie, c'est un scandale. La Russie, c'est un des pays les plus grands du monde et les plus puissants. Et on passe notre vie, alors qu'on est comme ça, à leur faire des bras d'honneur. Enfin, à quel moment on se permet de faire ça? Enfin, c'est-à-dire On est plus puissant économiquement qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour combien de mais. temps? Et t'as vu de quoi ils se relèvent, la Russie? Bah, c'est surtout qu'il se relève enfin, il se relève quand même Bah, du communisme. quasiment trois quarts de siècle Bah, ouais. sanguinaire. Mais de fait, il y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que si le réchauffement climatique a bien lieu comme il a lieu, la Russie deviendra un sacré terrain agricole et que ça va redistribuer un paquet de cartes et que la Russie, eux, c'est pour ça qu'on voyait Poutine, entre guillemets, climato-sceptique. C'est pas parce que lui, il croit pas, hein, c'est un cynique de chez cynique, ce mec. C'est parce qu'en fait, si jamais il y a le réchauffement climatique, la Russie se retrouve à être la terre agricole la plus grande du monde. Donc c'est notamment avec la Sibérie. Et si ça arrive réellement, c'est eux peuvent parier en partie là-dessus. Là, pour le coup, on aura un sacré problème avec les Russes et que, au-delà, je suis d'accord que Puis c'est. il y a la démographie surtout, Mais en fait, c'est surtout que je qui va être liée trouve, à ça. et c'est là pour le coup, je vais probablement vous rejoindre, c'est que je trouve surtout que, à force de chercher à faire la morale à tous les pays du monde, Exactement. on se retrouve en fait à ne pas comprendre que la géopolitique ne peut pas être vue d'un point de vue moral par la simple bonne raison qu'on n'est pas en train de dialoguer avec des pays qui voient les choses de manière morale. Et que du coup, en fait, discuter moralement avec la Suède, moi, il n'y a pas aucun problème, hein. Les mecs, ils vont nous comprendre. Le respect de l'humain, le respect des faibles, le fait d'emporter de son pays avec soi, ça, tout le monde est d'accord. En Chine, ils s'en foutent complètement. En Russie, ils s'en foutent Mais complètement. c'est plus compliqué que ça encore, c'est des pays surtout en fait qui ont compris, et c'est pour ça qu'ils fonctionnent, qu'en fait ce qui compte c'est le protectionnisme, c'est la souveraineté, etc., etc. Alors tu vas me dire c'est plus facile d'être protectionniste et d'être souverainiste quand on a un pays avec des milliards de personnes dedans, quand on a une superficie incroyable. Mais la France, on a quand même la deuxième zone en termes d'eau internationale, on a une force. La France c'est pas n'importe quoi comme pays, c'est un pays qui a un rayonnement incroyable dans le monde, qui a une puissance diplomatique. Comme peu de pays ont. Enfin, en fait, Oui, on mais est. d'ailleurs, On on est. s'en sert pas tellement, en Non, mais on fait. s'en sert pas assez, parce qu'en fait, en gros, on parle pas, on est. En fait, on est pas la Hongrie, on n'est pas la Pologne, en fait, on est la France. Et en fait, la France, même si elle est petite et démographiquement parlant, on n'est pas les plus forts, on reste la France avec un rayonnement On a et des toute la puissance. génies, on a des Non, mais en génies dans plus, notre pays, et en je trouve plus. qu'on est, on est, on est... Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas protectionniste, on n'est pas souverainiste, parce qu'on n'en a rien à faire, et parce qu'en fait, au lieu de penser à la France, on pense à l'Union européenne, etc., etc. Et en fait, et tout ça, c'est des délires idéologiques. Pour moi, c'est aussi une question de mentalité De gauchiste. Non, mais c'est même pas vrai. C'est même pas vrai parce qu'il y a énormément de gens dans la droite dure et à l'extrême droite qui sont complètement pas d'accord avec ce que je vais dire là, mais qui est le fait de cultiver la modernité, de cultiver le fait d'être à la pointe de ce qui se passe de nouveau. Parce que certes, ça peut vous déplaire sociétalement et ça, je vous blâme pas, mais de fait, à la fin, c'est ça qui fait que tu gagnes par rapport au marché des autres pays. Je vais prendre juste une phrase que m'avait sortie Guillaume Boutin, qui est le fondateur de Sens Critique, quand je l'avais interviewé, et j'avais trouvé cette phrase mais magnifique et en plus très vraie. C'est les mecs qui faisaient des bougies. Je connais pas le nom, mais ceux qui faisaient des bougies à l'époque, quand l'ampoule est arrivée,
ils se retrouvaient out of business parce qu'ils n'ont pas su. Ils se retrouvaient à mettre la clé sous la porte. Ouais. Parce qu'ils ont. J'ai compris, Jen. Merci. Non, mais je le dis parce que j'ai effectivement pour éviter le franglais. Traduction en sous-titre. Ils se retrouvaient la clé sous la porte parce qu'en fait, ils n'ont pas su se réinventer parce qu'ils n'ont pas vu la révolution de l'électricité des ampoules arriver. Ouais. Mais ils ont oublié que leur job, c'était pas de vendre des bougies, c'était d'allumer la lumière. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a plus du tout de questions à se poser. La question à se poser, c'est où est-ce que va aller le sens des nouveaux marchés? Parce que là, on parle d'économie. Et que dans ces nouveaux marchés-là, on a trop voulu jouer la carte, soit de la morale, soit de la collaboration européenne, soit on avait peur de parier sur le long terme, quitte à être déficitaire sur le court terme. Je pense notamment sur des gros investissements technologiques qu'on aurait pu faire avec des gosses plaintes, comme ça se faisait en URSS notamment. Qu'on a refusé de faire ça en laissant peut-être trop interagir le marché à ce moment-là, au lieu que l'État prenne vraiment des plans sur 10 ans, sur les nanotechnologies, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la programmation, et que du coup aujourd'hui on se retrouve en retard à monter des écoles un peu à la dernière minute parce qu'on se rend compte qu'il nous en manque, à prendre des immigrés indiens ou biélorusses, parce que ce sont eux aujourd'hui ceux qui font le code pour le moins cher dans le monde de bon niveau, ça pourrait être des gars français quoi. Et ça n'est pas parce que, bah, à la place, on s'est pas focalisé là-dessus, quoi. Et je trouve qu'on a un retard sur la technologie dont on ne se rend pas compte du danger. Parce que ça ne va pas baisser la technologie, hein. Ça va faire qu'aller plus vite. Ça, pour le coup, faut pas se tromper. Ah bah, alors ça, c'est sur le fait qu'on devienne à moitié un pays du tiers-monde, on n'en est pas loin. Blague à part, le côté, c'est pas une question d'être contre la modernité. Je pense que la question, si on essaie vraiment justement d'avoir une vision long-termiste, etc., de pas voir sur les 5 prochaines années, mais en gros sur les 50, 100 ans. Oui, mais en fait, au moins 10-15. Non, mais 50-60, c'est-à-dire qu'en fait, la technologie, c'est bien, mais il faut aussi savoir ce qu'on en fait. Et le bien, bon, tu vois, tu parles des réseaux sociaux, et ce sera bien ou mal, enfin, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est que la technologie, personne n'est contre l'évolution technique, personne. Enfin, c'est-à-dire, mais c'est pas la priorité. Et la priorité, c'est d'abord justement d'avoir un pays qui vit bien, d'avoir un pays. Et en fait, après, ça viendra. Ça. Mais en fait, d'abord, c'est avoir des écoles. Et en fait, il faut prendre les choses par la base. Et si tout fonctionne, si la machine fonctionne, je comprends, y arrivera. Et ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? En fait, on commence par le bas et après, on parlera de ça. Le problème, c'est qu'on a pris un retard depuis 50 ans à cause de tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à se battre sur tous les fronts, à se battre, à essayer en tout cas de se battre sur la phase technologique. Et en même temps, on est en train d'essayer de rattraper les dégâts en éduquant les gamins, en essayant de faire vivre les gens ensemble. Et en fait, on se rend compte, même le pareil pour les deux. Les deux s'imbriquent. Dans le sens où il y en a un qui permet l'autre, alors que l'autre, la technologie ne permet pas forcément de créer la base. C'est là que je suis pas d'accord. Bah, je suis pas certain que les réseaux sociaux créeraient le lien social, par exemple. Tu vois. Justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont à disposition des Américains. Les Américains est une culture qu'on a toujours su méga individualiste, avec une histoire assez faible et une cohésion de peuple assez limitée, si ce n'est l'amour du drapeau en tant qu'espoir, mais plus qu'en tant qu'histoire. Et que moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais c'est la France ou l'Europe qui ont des GAFAM ? Toutes les questions morales et de danger envers les mineurs, bah, elles sont réglées beaucoup plus vite parce que l'Europe, pour le coup, y tergiverse beaucoup moins sur ces questions-là. La question de ces dérives, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui sont encore très mal contrôlées, bah, quand c'est la Chine ou les États-Unis, ils s'en foutent que nous, on se plaigne. Alors que si nous, on se plaint alors que c'est nous qui le contrôlons, allez convoquer le mec qui fait un des mecs des GAFAM quand on est président français, si les mecs sont américains ou si les mecs sont français, c'est pas du tout le même rapport. Si le mec est américain, du coup, ils le reçoivent en mode « S'il te plaît, Jeff Bezos, reçois-moi », alors que si le mec, il est français, c'est « Je suis ton président, tu viens là tout de suite et on discute ». Et aujourd'hui, le rapport de force, il est dangereusement pas d'un autre côté, quoi. Et ça, pour le coup, ça me fait peur en termes de déclin français. Parce que, effectivement, la technologie est tellement importante et en même temps tellement utilisée que si jamais nous, on la contrôle pas, en fait, il n'y a qu'un pas jusqu'au moment où elle nous contrôle, et du coup d'autres pays. Est-ce que tu penses qu'il y a, à ce niveau-là, au niveau des élites européennes, mais pas qu'européennes, françaises en fait, intrinsèquement, une perte tout simplement de volonté de puissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie en fait d'être une puissance européenne ? Moi, je pense qu'on ne pousse pas ceux qui veulent l'être à l'être, en fait. Plus que puissant, j'ai envie de dire, à être compétent, à aller plus haut, viser peut-être, pourquoi pas, je sais pas, des projets plus ambitieux, mais je trouve que l'État est beaucoup trop absent je vais pas dire du nouveau privé, mais est beaucoup trop absent de grands projets novateurs et nouveaux. Que l'État est énormément derrière les boîtes du 440, derrière les médias traditionnels, mais qu'il y a trop peu de soutien, et pour le coup même pas financier, mais je parle vraiment d'accompagnement intellectuel et stratégique. En fait, l'État, j'ai l'impression, ne compose pas assez avec ces nouveaux acteurs entrepreneuriaux, médiatiques, associatifs, et que c'est souvent la part belle aux anciens ou aux traditionnels, et que la part belle aux anciens ou aux traditionnels, c'est dangereux parce que si on les subventionne de plus en plus, c'est qu'ils marchent de moins en moins bien, en fait.
Et qu'au lieu de rajeunir tout ça, bah, on continue de faire décroître et très lentement des vieux géants. Sur les médias, ça c'est très vrai, ça. C'est vrai, ouais. Que enfin, je veux dire, Libération, qui est un média de très bonne qualité aussi, il faut le dire, et qui a une vraie histoire. De fait, aujourd'hui, ça réunit moins de monde qu'un Hugo Décrypte, par exemple. C'est vrai. Et je crois pas que Hugo Décrypte soit aidé autant. Bon, on va avoir fini avec cette émission. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci Léo. N'oubliez pas d'aller voir ce que fait l'étudiant libre. N'oubliez pas d'aller voir ce que fait le crayon, donc chaîne YouTube, aussi compte YouTube, Instagram, pareil pour sociaux, l'étudiant libre. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de repartager la vidéo, de la commenter, etc. Je vous dis à bientôt. Merci Léo, merci Stal.